Merci de choisir Zombo le soir, votre émission qui passe sur les antennes de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Une émission que vous suivez en direct, en intégralité, à partir de New York City aux États-Unis d'Amérique, grâce à notre directeur général et cher confrère, Don Kaimbe. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La journée de ce jeudi 9 juillet 2020 a été une journée très spéciale pour les amis de l'UDPS qui ont bravé les mesures d'hygiène, qui ont bravé la réglementation du pays, qui ont bravé l'état d'urgence. Ils ont bravé que les ordonnances du gouverneur de province ainsi que le ministre de l'Intérieur. Ils étaient très nombreux à descendre dans les rues de Kinshasa, plus particulièrement sur le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple. Et cela pour dénoncer l'enterrement de Ronsard Malonda comme étant président de la Commission électorale nationale indépendante. Cette marche qui est partie de délimiter plus précisément à partir de échangeurs a eu pour point de chute le palais du peuple, mais en cascade. Vous allez constater à travers les images que nos reporters ont pu prendre sur terrain que les manifestants ont cassé le bureau du PPRD se trouvant au niveau de la 6e rue limitée. Ils ont échangé les jets de projectiles, certains ont été même blessés. Mais je vous laisse suivre cette ambiance qui a prévalu au cours de cette journée. Gouverneur, tu as vu que les gens ne sont pas là. Ils sont 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 là. L'Assemblée nationale a violé l'article 49. Mabunda, et le Kosali, ils ont un tox. Ils ont violé l'article 49. Pourtant, l'article 70, Mabunda, sali, tu as dit que tu as dit. Ils ont cabalé contre le peuple congolais. Rossard, parce qu'on s'est mis sur les candidats, il y a l'église catholique, l'église kimbanguiste, et ça, le Kouta, Mabound, au Kofuta, au Zosalan, au Mokao. Problème est zanini, demoiselle. Problème n'a pas été zanini, quand on a encore un problème à Kango, c'est une azo de Bao, ni une boca en goya bango. Hello, Aïna, Bana Congo. Comment mon bima va sentir le loin là? Bolinginini.
Il n'y a pas de FCC qui est pas boy, il n'y a pas de peuple congolais.
Pour c'est ça la démocratie. L'IDPS a bondi pour la Oyo. Ça c'est un état des droits. C'est le départ d'un état des droits. Ça c'est le départ d'un état des droits. L'IDPS a bondi pour instaurer un état des droits. En plus de cela, dans un régime, il y a qu'à informer et non il y a qu'à demander autorisation. Au moins, c'est une expression pour vous dire que ça c'est une expression pour vous dire que à part l'IDPS, il n'y a pas et comme sous non. Je vous dis vrai. Nous sommes là. C'est ça la force. C'est ça la force de l'IDPS. C'est ça la force de l'IDPS et c'est le départ d'instauration d'un état de droit. Oyo botiango sous la cadre, il y a procès. Oyo salami na mboka. Tolobi procès oyo il y a directeur. Il y a cabinet chef de l'État qui est notre partenaire et ça la leçon monene. Na oyo pe, oyo bomoni oyo et ça la leçon monene oyo bana na biso bakotanga. To bundi mingi pona oyo et Rosa. Mais bozo boyo Rosa. Rossard jamais à cause à la président. Non, c'est un antivaleur. Ok, c'est un antivaleur. Il n'y a que le DPS qui a le pouvoir. Vous voyez que ça va pas comme un bayon karaté. IDPS, ça va IDPS. Quand il s'est congo, il s'est congo. On voit IDPS qui est né. Dans le mot d'ordre. Et c'est le mot d'ordre. Mais t'as là, il est là partout. Quand on voit mon bayon, il est dans là. Je suis mis à ma combattante. Je suis mis à ma merci, Tonzo Lobalelo, Mokola Lelo, les amis Mokolo, le peuple congolais à Telobi, dans son ensemble, on a porté les mêmes antivaleurs et à Moka Oyo, on les a dit accomplissement, la parole prophétique du Père. On met sa colonne à Dieu, c'est la force accomplie, on sera arrêté, on et ses enfants et tous les manœuvres qui sont tout autour de lui chercheront à fuir, ils n'auront pas l'accès. Et parce qu'il n'y aura pas l'asile, ils chercheront, ils seront arrêtés tous en bloc. De l'autre côté, même pour la chasse à Malonda. Tolingi Seni, il y a Solo. Tolingi Seni, le corps est à Malouma Louté. Tolingi Seni, il y a Corneille Nangate. Tolingi Seni, il y a Ngoïmou Lundate. Dans la pensée à Seni, il y a Solo. Toute tendance confondue et qui est une CENI qui sera dirigée par des hommes intègres pour conserver la démocratie. Et Tolukaki, l'indépendance en 1960, à travers 2018, dans l'élection et les cas qui ont voté qui m'ont conduit en boca, fatigué tant, à Sali Kota Moussamboka, dans l'engue et Sengeli. Dans Sali Nakat, c'est un gouvernement, la République des juges. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Dans la République des juges, parce que dans la République des juges, c'est ça la démocratie. Dans la démocratie, il n'y a que l'état de droit. Pour avoir l'état de droit, il faut faire asseoir la justice. Parce que la justice, c'est la socle de la démocratie. C'est l'autre.
tolingi ke malonda wana toboyi ezana volonté à peuple té ezana volonté à bato FCC mais biso peuple toboyi malonda toboyi malonda toboyi toye bien kututé toye bien té parlement de la mort Aya, les 13 tours dans le terrain, donc, et au sein de ma bombe. Tu as besoin de frapper. Les lotes et Koloba, UDPS a parti à Makas. Tolingi tout lancé appel. Dans ma bunda, parlement, on est un parlement comme mécanique. Tout dimi en gros. Nous avons accepté ce parlement-là, Ndengezali. Mais on a constaté que Bazo violait règlement d'ordre intérieur. Malonda baroyi ko entériné na décret ou anate ba entériné. Confession religieuse est présentée et zo reconnaître a été. Mais Janine Mabunda obosana ke il sera, on va lui porter plainte officiellement pour faux usage de faux. Il a violé le règlement d'ordre intérieur. Pour la longola, pour la entériné décision ya Malonda rapidement boy. Yango moni lelo, tu peux te dire que c'est ni même de la source ya légitimité à pouvoir. C'est maintenant là qu'il faut s'élever. Lelo so UDP c'est la difficulté, ba gouverneur ya FCC pour la ba élection ya Lukuta. Oyo bah organiser les bisous, bah tel les bisous parlement manque oh yo plus de 300 députés d'un niveau et à majorité. Non, aujourd'hui le peuple s'est levé comme un seul homme pour dire non à Malonda, non au FCC, Yango Ana tous à l'anzela et nous respectons et nous la constitution. Ah, c'est ça en fait. Merci. Nous sommes venus ici. Ce n'est pas pour Malonda. Malonda nous l'avons déjà réquisé. Donc nous sommes ici pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas retourner à la maison sans que cette Assemblée de la honte soit dissoute. Donc nous sommes sortis pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes la bonne état des droits. Et dans les droits d'ambo la biso le roi tous yeux encore comme problème. Balila batoana ma bewana, ba kesuna seni, tout roi biso toni bangote. Tout roi toni toka na ba élection moza ki toko, ba to bimisa mu kondina biso ala nda sou la deuxième mandat to ndambo ka o. Élection sala maki ali biso za ki toko. Mais en état de droit o muto ba kesuna sou na seni ndem so toni yete. Petite sœur.
Babundi pour l'indépendance en Bokaolo. Nous aussi, la jeunesse congolaise, nous accepterons le sacrifice suprême pour arrêter la continuité du régime Kabila. Ce n'est pas le régime de Kabila, c'est le régime de Félix. Pourquoi Balinga Gotia Félix Malalaise? Pourquoi Balinga Gotia Peuple Congolais Malalaise? Baye Bake, Oya Bango majorité Wana, l'État est suffisant. Dans ma conja école, dans la majorité populaire, population de mon conja Moka, Bissoye, ça c'est la majorité présidentielle populaire. Raison pour laquelle nous avons dit, l'éducation de Rosanne, l'éducation de Rosanne. Pour constater la nouvelle majorité, nous défrichons à cet âge l'informateur. Parce que nous constatons que cette majorité qui est dans l'Assemblée, elle joue de l'hypocrisie. Nous sommes dans une coalition des hypocrisies de sauvegarde. Nous constatons qu'ils ne travaillent pas encore en cohésion. Ils sont en train de faire le travail pour l'intérêt d'une famille politique. Il n'y a pas longtemps dans ce poids, il y a 18 ans. Alors nous demandons que le chef de l'État vive. Il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Qu'il nous cherche une nouvelle personne qui peut informer, identifier cette majorité, afin que le bureau de cette assemblée puisse tomber, le bureau du Sénat puisse tomber. Nous marchons parce que nous ne voulons pas la présence d'un certain Ronan Malonda, qui est cautionné par Jeanine Malonda. Nous ne voulons pas de cet homme. L'Assemblée nationale doit refaire son travail à zéro. Ils doivent laisser Félix travailler avec de nouvelles figures. Majorité va monter, majorité au Bassala.
Nous avons fait notre marche pacifiquement. Comme vous le savez, nous sommes des non-violents. Et il y a les policiers mal instruits qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas leur travail, celui d'encadrer le peuple l'air bien. Ils nous provoquent en jetant pour nous des gaz lacrymogènes pour nous disperser. Mais nous sommes là, jusqu'à Namois-les-Pinières. Nous dirons non N-O-N, Naronsar Malonda, jusqu'à ce qu'ils comprendront que la base a refusé. La base, c'est le peuple congolais. Voilà. Vous allez permettre. Non, nous le ferons jusqu'à ce qu'ils vont comprendre qu'il s'agit maintenant de la base. Ronsard, à quoi il n'a pour ma belle, puisque à quoi il n'a pour la IDMS.
pas des aboyés. Et là, on va comprendre le thème, mais qu'est-ce qui se passe? UDPS au pouvoir, UDPS à l'opposition. Rien de là. Ce n'est pas ça. Nous prenons des valeurs morales. Nous sommes des démocrates. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les normes démocratiques, l'UDPS sera le premier à dire non avec toute sa force et toute son énergie. Je crois, voyez-vous, je prends la communauté internationale et internationale à témoin. Voyez, regardez. Un Congolais qui manifeste. La police n'a pas qui vous allez prendre pas à bas. Attends, bien au moment. Où est la démocratie? Où est l'état de droit? Où est l'état de droit? Policier! La police, maintenant, général, il va nous indiquer à la police, n'a pas de mal à la bêtise à vous. N'a pas de peur perdre. T'as là. T'as la peur de famille, hein? T'as la peur de salier. Comment expliquer que la marche était pacifique? Vous avez commencé à trouver la circulation. Bon, je pense que. Je pense que moi-même je suis là. Vous voyez comment je suis habillé. Je n'ai ni machette ni quoi. Ce sont les infiltrés de PPRD. Ce sont les infiltrés de PPRD. Ils ont en commencement, nous avons toutes les informations en notre possession. Ils ont manigancé des jeunes pour leur donner des pinets, des machettes et pour rendre cette marche non pacifique. Je pense que l'UDPS et l'ensemble des peuples congolais n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Nous avons fait une marche pacifique. Vous voyez là où, tel que nous avons donné notre intérêt, cette direction que non, nous avons marché, c'est ici. Mais c'est ici que moi, je me suis retrouvé ici pour quand même dénoncer de mauvais actes que nos amis de PPRD, FCC, ils ont manigancé de petits jeunes pour faire cela. No comment. Et là, c'est la spécialité de votre chaîne, la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Dans cette émission Zombo les soirs, ne nous quittez pas, restez toujours branchés et cela à travers www.mediaforafrica.net, soit www.lavdc.net. Mais n'oubliez pas de visiter notre page YouTube Info RD Congo. Merci de choisir cette émission, votre émission Zombo les soirs. Merci à notre directeur général Don Kaimbe, merci à notre directeur technique José Kapajika, merci à Théo Bakatuila, notre caméraman, merci à notre présentatrice Adrien Mayumbu. Je suis Raphaël Tchananga, parti de Kinshasa, merci et à la prochaine pour un autre numéro de Zombo le soir.